Le principe de la justification. The principle of justification. Write this down. La justification est un acte souverain par lequel Dieu de sainteté déclare que le pécheur qui croit est devenu juste. Justification is the justification is a sovereign act by which the God of holiness declares the sinner who believes righteous. Qu'il peut paraître maintenant devant Dieu. That he can now appear before God. Vous notez que il n'y a pas de mérite. Write that there is no merit. Le pécheur a seulement accepté Jésus. The sinner has only accepted Jesus. Vous voyez quelqu'un boit le kutuku depuis des années. You see someone who has been drinking kutuku for years. Et il va chez les marabouts pour trouver la guérison et la délivrance. Il ne peut pas, il ne la trouve pas. And he goes to the witch doctors to look for healing and deliverance and he cannot find it. Il va à l'hôpital, dit je bois le kutuku, je souffre. And he goes to the hospital. Il va arrêter, il n'y a pas de solution. He goes to the hospital and says, I drink kutuku, I am tired, I want to stop it. There's no solution. Un disciple arrive. And then a disciple comes. Il dit mon ami. He says, my friend, Jésus a porté tous tes péchés, tes infirmités et tes maladies. Jesus has carried all your sins, your infirmities and your sicknesses. Si tu crois en lui, tu seras délivré. If you believe in him, you'll be delivered. Et il dit, je crois en lui. And then he says, I believe in him. Tu dis, tu es déjà sauvé. And then you say, you are already saved. Maintenant, repens-toi. And then now, repent. Et il se repent. He repents. Il est délivré. He's delivered. Lui qui disait qu'il ne peut jamais, il ne pouvait jamais se repentir. The one who was saying that he could never repent. Dès qu'il croit en Jésus. As soon as he believes in Jesus. Il se repent et tout s'arrête. He repents and it is over. Les témoignages sont là, on n'invente rien. The testimonies are there, we are not inventing anything. Quelqu'un qui ne pouvait pas se repentir. Someone who could not repent. On lui parlait de Jésus. And then we speak to him about Jesus. Si tu acceptes Jésus. He said, you accept Jesus, tu seras délivré du péché. You will be delivered from sin. Et la personne se repent. The person repents. Après, la cigarette devient comme les déchets. And cigarette becomes like filth. Et il grossit. And then he becomes fat. Acclamation à Jésus-Christ. The clap offering to Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Tout ceci. All of this, parce que Jésus a porté les péchés à la croix du calvaire. Because Jesus bore sins on the cross of Calvary. Il s'est fait pécheur. He made himself a sinner. Pour obtenir la justification du pécheur. To obtain the justification of the sinner. C'est bien de souligner ça. It is important. Sinon les gens vont penser que mais Dieu sauve certains et laisse les autres. Because if you don't do that, people will think that God saves some and then leaves others. Dieu demande une seule chose à tout le monde. God demands just one thing from everyone. Croire en Jésus. Believe in Jesus. Croire en Jésus. Believe in Jesus. Une seule chose. Just one thing. Si quelqu'un va à l'enfer, si quelqu'un va dans le lac de feu demain, if someone goes to the lake of fire tomorrow, c'est sa propre faute. It's his fault. Il n'a pas cru en Jésus. He has not believed in Jesus. Si quelqu'un reste dans l'esclavage du péché, if someone remains in the slavery to sin, il y a une seule raison. There is just one reason. Il ne croit pas. He does not believe. Il ne croit pas. He does not believe. Jésus a réglé le problème du péché. Jesus has solved the problem of sin. Il a brisé la puissance du péché. He broke the power of sin. Il a même renversé l'esprit qui est derrière le péché. He even overthrew the spirit that is behind sin. L'esprit du mal. The spirit of evil. Le prince de la puissance de l'air. The prince of the power of the air. L'esprit de Satan. The spirit of Satan. Jésus l'a anéanti. Jesus brought him to naught. Il a dit à ses disciples, quand vous êtes partis prêcher, he told his disciples, when you went to preach, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. I saw Satan fall down like lightning. Oui, acclamons, acclamons, acclamons. Yes, let's clap. Let's clap to Jesus. Quand les disciples sortent évangéliser, when disciples went out to preach,
Quand les disciples sortent pour évangéliser, when disciples go out to preach, la puissance de Dieu est libérée. The power of God is released. Pour détruire les chaînes. To destroy chains. Qu'est-ce qui rend ça possible? What makes it possible? La mort de Jésus à la croix. The death of Jesus on the cross. La mort de Jésus à la croix. The death of Jesus on the cross. La mort de Jésus à la croix. The death of Jesus on the Jésus cross. A réglé ce problème là. Jesus settled that problem. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le diable voulait se débrouiller en amenant Jésus dans les tentations, mais il a raté. Il ne connaissait pas Jésus. The devil tried to make Jesus to fall into temptation, but he failed because he did not know Jesus. Le péché a détruit son intelligence. Sin destroyed his intelligence. Il a dit à Dieu, he told God, que Job ne peut pas. That Job cannot. Que quand un homme souffre, il peut donner toute sa vie. That when a man is suffering, he can give his whole life. Est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il avait raison? Was he right? Dieu lui a donné la permission de tenter Job. God gave him the permission to tempt Job, to test him. Il a fini tout ce qu'il avait comme astuce, comme tentation. He finished everything that he had as a temptation, as a trick. Après, il a disparu. Afterwards, he disappeared. À la fin du livre, on ne sent même plus, on n'entend même plus Satan a fait ça. At the end of the book of Job, you don't even hear that Satan said this or he did this. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus a payé le prix. That Jesus has paid the price. C'est avec ces enseignements qu'on délivre les gens des démons. It is with this teaching that we deliver people from demons. L'observe que toute l'église, tous les jeunes convertis, dès que quelqu'un croit, tu lui dis que Jésus a porté tous tes péchés, toutes tes maladies. Le diable n'a plus d'autorité sur toi. Tous les bébés spirituels là, il faut leur enseigner cette doctrine. Jesus wants that all spiritual babies should be taught this doctrine. As soon as they believe that Jesus has paid the price. Si tu proclames cette parole, if you proclaim that word, tu proclames cette parole. You proclaim that word. Dans ton environnement. In your environment. Dans ton assemblée. In your assembly. Tu proclames dans les nuits de prière. Tu proclames. You proclaim it in prayer nights and you proclaim it. Vous verrez que certaines personnes vont guérir en marchant, la maladie disparaît. D'autres en se réveillant, la maladie a disparu. C'est-à-dire, il y aura des guérisons quand on prie. Il y aura des guérisons quand on ne prie pas. Il y aura des guérisons la nuit comme le jour. You will see that some people will be healed. When they'll be walking around, they'll be healed. When they'll get up from sleep, they'll be healed. And you just see that there'll be miracles of healing when we pray and when we don't pray. Parce que le Seigneur aime cette parole. Because the Lord loves this word. Avant first, le Nouveau Testament, before the New Testament, Dieu ordonnait qu'on dise, qu'on raconte ses merveilles dans les assemblées. God used to command that his wonders should be proclaimed in the assemblies. Je vous dis par révélation, I tell you by revelation, que dans la nouvelle alliance, that in the new covenant, Dieu veut, God wants, que l'œuvre de Jésus soit racontée tous les jours. That the work of Jesus should be proclaimed every day. Célébrons ce que Jésus a fait. Let us celebrate what Jesus has done. Racontons ce que Jésus a fait. Let us talk about what he has done. Croyons. Let us believe. Vivons ça. Let's live. Chantons it. Ça. Let's sing it. Vous allez voir. And you'll see. Des semeurs ont déjà expérimenté des guérisons à partir de la louange. The sowers have already experienced healings through praise. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quelqu'un a rendu témoignage qu'il avait mal à Bondoukou. Il avait mal à la tête depuis. Quand on a commencé à proclamer, il dit, quand le pasteur dit de proclamer que la guérison de Jésus entre dans nos corps, il a senti le mal quitter, il s'est parti. Someone testified in Bondoukou that he had pain on his head, and when the pastor said that we should proclaim that we are healed, he felt the pain going down and then leaving. C'est-à-dire en proclamant ce que Jésus a fait. That is by proclaiming what Jesus has done. Ton corps guéri. Your body is healed. Que le diable ne te trompe pas. Let the devil not deceive you.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand les gens vous posent des questions, des questions que la Bible appelle des questions oiseuses là, ne répondez pas, racontez seulement les œuvres de Jésus. When the devil asks you some kind of silly questions, don't answer, just talk about, proclaim the works of Jesus. Quelqu'un peut te poser une longue question, tu ne comprends même rien, dis-lui que Jésus est sorti vivant de la tombe. Someone can ask you a very long question that you don't even understand. You just answer him that Jesus came comme out si of life. Comme si tu étais hors sujet, mais tu es dans le contexte. It seems as if you are out of topic, but you are in the context. On a demandé au frère, tu ne pries pas? Il dit, mais ce que je fais là, c'est quoi? Je prie. They asked the brother, so you are no longer praying? And he said, but what I'm doing like this, I'm praying. Après, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui a dit encore? Tu vas à l'église? L'église, c'est peut-être, je suis pasteur même déjà. And they asked him, now you are going to church? He said, what is church? I'm now a pastor. Et il dit la vérité. And he's saying the truth. Il est devenu sacrificateur. And he has become et c'est ça qui détruit la puissance du diable. And that is what destroys the power of the devil. Si tu commences à dire, bon, on est en train de me former, quand après ça, je vais connaître la Bible un peu, tu vois, tu as raté. If you start by saying that, no, they are still training me, afterwards I will know the Bible little by little, you have already failed. Je suis pasteur déjà. You say, I am already a pastor. Ça veut dire qu'il avait la foi. It means that he had faith. Pendant que toi tu trembles là. While you are there trembling. Un jeune converti sort, il dit, je suis pasteur. A young convert comes out and says, I'm a pastor. Et il a la victoire sur l'esprit de l'islam. And then he has power over the spirit of Islam. Les parents ont persécuté. Il est resté ferme. His relatives persecuted him, but he stayed steadfast. Un tel frère ne peut pas rater une bataille spirituelle. A young brother must not, such a brother cannot lose spiritual battles. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? 1 Corinthiens 1 verset 30. 1 Corinthiens chapter 1 verse 30. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Amen. Lis Romains 3 verset 24. Read Romans chapter 3 verse 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. La justification est gratuite. Totalement gratuite. Justification is totally free. Elle est imméritée. It is unmerited. Tu entres dedans par amour et par grâce. You get into it by love and by grace. Elle satisfait les exigences de la loi de Dieu. It meets the requirements of God's law. Elle ne signifiera jamais que le Seigneur efface la culpabilité sans effusion du sang. It will never signify that the Lord wipes away sin, wipes away guilt without the shedding of blood. C'est-à-dire que sans effusion du sang, il n'y a pas de justification. It means that without the shedding of blood, there is no justification. Et qu'est-ce qui fait la force de l'effusion du sang? C'est le don de la vie de Jésus. And what makes the strength of the justification? It is the gift of the blood of Jesus. C'est une formule de Dieu pour sauver les hommes sans péché lui-même. It is God's formula to save men without he himself sinning. Lis pour nous Romains chapitre 3. Read for us Romans chapter 3. Lis le verset 26. Read verse 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Dieu te sauve. God saves you
en demeurant juste. By remaining just. Comment? How? Il dit à son fils, pour parler comme des hommes, to speak like men, he says to his son, je veux sauver les hommes. I want to save men. Mais tous ne croient pas. But all don't believe. Mais je veux sauver ceux qui croient. But I want to save those who believe. Mais ils ne peuvent pas payer le prix. But they cannot pay the price. Meurs pour eux. Die for them. Et dis-leur d'entrer. And tell them to come in. Ou bien paye pour eux. Or pay for them. Et dis-leur d'entrer. And tell them to come. Et Jésus va donc à la croix. Jesus goes then to the cross. Et on perd ses mains, on perd ses pieds. And he pierces his hands and his feet. Et on perd son côté. And his sight. Le sang coule. Blood oozes out. Dieu dit, OK. Ils peuvent maintenant entrer. Then God says, now they can come in. Mon fils a payé le prix. My son has paid the price. Donc Dieu a accompli la loi. So God accomplished the law. Il peut maintenant sauver ceux qui croient. He can now save those who believe. C'est pour ça qu'il dit, il justifie quand, tout en demeurant juste. That is why he says, he justifies while remaining just. Ça veut dire, il justifie en se conformant lui-même à sa propre parole. That is, he justifies by conforming himself to his own word. Sa parole exige l'effusion du sang. His word demands the shedding of blood. Son fils a versé le sang. His son shed his blood. Maintenant, Dieu peut justifier ceux qui vont croire. Now, God can justify those who believe. Et c'est ça le principe fondamental. Dieu ne justifie que ceux qui croient. That is the fundamental principle. God only justifies those who believe. Ne permettez jamais à quelqu'un qui ne croit pas de nourrir une espérance fausse que lui aussi il sera sauvé un jour. Never permit anyone who does not believe to nourish any false hope that he himself will be saved one day. Ceux qui croiraient, la Bible précise que ceux qui vont croire. The Bible precises that those who will believe. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lui, verset 24-25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Being justified freely by his grace to the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sins that were previously committed. Alléluia. Alléluia. Donc celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Whom God set forth as propitiation by his blood through faith to those who will believe. Tu ne crois pas. You don't believe. Tu ne seras jamais justifié. You'll never be justified. Quand tu doutes. When you doubt. Tu as perdu. You have lost. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Is there someone in this hall qui est encore sous la condamnation parce qu'il n'a pas encore cru? Who is still under condemnation because he has not yet believed? Quand la personne écoutait la parole, son cœur battait. When such a person was listening to the word, his heart was beating. La personne sait qu'elle n'est pas encore dans la grâce de Dieu. This person knows that he's not yet in God's grace. Et la personne ne veut pas rentrer à la maison telle qu'elle est venue. And he doesn't want to go home as he came. Elle veut mettre de l'ordre dans sa vie. He wants to put order in his life. Si c'est toi, lève la main. If that is your case, raise your hand.
Viens, viens rapidement. Yes, come quickly. Qui d'autre? Who else? Viens, viens. Come, please. Que tous ceux qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie viennent. Let all those who want to put order in their lives come. Tu seras justifié ce soir. You'll be justified tonight. Tu seras justifié ce soir. You'll be justified tonight. Tu auras droit à l'espérance. You have the right to hope. Si tu attends Jésus, tu as raison, tu peux. If you are waiting Jesus, you have the right. You can. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Rise up and come, rise up and come. Que les pasteurs viennent les recevoir. Let the pastors come and receive them. C'est des dons de Dieu. They are the gifts from God. Ceux qui croiraient. Those who believe. Tu ne crois pas, tu n'as rien. You don't believe, you have nothing. Pour ceux qui croiraient. For those who believe. Oui, acclamez très fort. C'est très yes. Bon. Clap. Venez vous réconcilier avec Jésus-Christ. Come and be reconciled to Jesus Christ. Venez, acclamez encore. Yes, come, and while they are coming, let's clap. Certains démons n'aiment pas quand on acclame, donc. Some demons don't like when we clap. Venez pendant qu'on acclame. Come while we clap. Viens pendant qu'on acclame. Yes, come while we clap. Si tu es en haut là-bas, tu descends, n'aie pas peur. If you are upstairs, you come down. Alléluia. Alléluia. Oui, allez chasser ces petits démons là. Vous voyez, il y a des démons dans tout ça. Tu es assis là, hein? Tu vois. Reste avec les démons, tu verras. Lève-toi et viens. Rise up and come. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons sur la terre. Tu ne reviendras plus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Je vous ai dit que quand on acclame là, les démons n'aiment pas ça, vous voyez. I told you that when you clap, demons don't like it. Jesus Christ. Le frère qui a été sauvé ordinaire dit, une femme de nuit est venue lui dire que je m'en vais. The brother was saved in Odiene said, quand Jésus entre, the spirit wife came and said, I'm going. Satan sort. When Jesus comes in, quand Satan Jésus goes entre, out. When Jesus comes in, Satan sort. Satan goes out. Vous voyez une petite, tu peux croire qu'elle est petite alors que les démons en sont assis là. You can see a little girl, I don't think that she's small, but demons are seated. Si c'est ton enfant, tu frappes. If it's your child, you can beat her up. Vous êtes bénis. You are blessed. Vous êtes bénis. Levez vos mains. Raise your hands, please. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je crois. I believe. Je crois. I believe. Je crois à toute ton œuvre. I believe in all your work. Jusqu'à la croix du calvaire. Until the cross of Calvary. Je crois. I believe. Que tu as versé le sang. That you shed your blood. Pour que je sois sauvé. So that I can be saved. Me voici. Here am I. Pardonne-moi. Forgive me. Accepte-moi. Accept me. Pardonne-moi. Forgive me. Accepte-moi. Accept me. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Tiens-toi debout frère. Please stand up. Dis je crois. Say I believe. Que Jésus-Christ a versé.
that Jesus Christ shed his blood. Conformément à la volonté souveraine de son Père. In conformity with the sovereign will of his Father. Afin que moi, so that me, je sois justifié. I be justified. Par la foi. By faith. Je ne le mérite pas. I don't deserve it. Mais Jésus l'a acquis pour moi. But Jesus acquired it for me. Tout ce que je peux faire. All that I can do. Si je peux faire quelque chose. If I should do something. C'est de garder ce que Dieu m'a donné. Is to keep that which God has given me. C'est de garder précieusement. Is to preciously keep it. Ce paquet. That package. Qu'on appelle le salut. Called salvation. La justification. Justification. Lève ta main. Raise your hand. Dis Père. Say Father. Ouvre mon esprit. Open my spirit. Que je comprenne ta doctrine. So that I should understand your doctrine. Et que Satan ne me trompe plus jamais. So that Satan should no longer deceive me. Dis Père. Say Father. Je crois. I believe. Que tu as porté les maladies. That you bore my sicknesses. Je crois que c'est vrai. I believe that it is true. Je crois. I believe. Que toutes les maladies que tu as portées. That all the sicknesses that you bore. Quitte le corps des croyants. Leave the body of the believer. Je crois cette réalité. I believe in it. Dis Père. Say Father. Nous nous présentons à toi. We present ourselves to you. Pour recevoir cette nouvelle manière de croire en toi. To receive this new way of believing. Dis Père. Say Father. Ton serviteur, le frère Zach. Your servant, brother Zach. Nous a enseigné. Taught us. Que le salut est plein et total. That salvation is full and complete. Qu'on est délivré du péché. And we are delivered from sin. Qu'on est délivré de la maladie. We are delivered from sicknesses. Qu'on est délivré de la malédiction. We are delivered from curses. Que même les jeunes convertis. That even young believers. De notre œuvre. Of our work. Crois. Believe. À cet évangile. This gospel. Et que les miracles se multiplient. That miracles to multiply. Que toutes les maladies cachées parmi nous. That every sickness hidden amidst. Les cancers, les sida. Cancers, AIDS. Les hépatites, la prostate. Hepatitis, prostate. L'hypertension, les diabètes. Diabetes. Toutes ces maladies. And all the sicknesses. Soient néanties. Will be cancelled. Par la puissance de la croix. By the power of the cross. Et que chacun entre dans son héritage. And that everyone should get into his inheritance. Dis Seigneur. Say Lord. Donne-nous de croire simplement. Grant us to believe. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.